Et bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour, eh bien oui, la suite de notre entraînement au speedrun de Super Mario Odyssey. Le record du monde a encore une fois été battu, Valew a repris son titre et a battu, Nedeas. Aujourd'hui, il a été battu de précisément 33 secondes, ça se tire à la bourre, très, très, très vénère. Je l'ai regardé de près. Ce speedrun est assez ouf en termes d'exécution, de qualité. Franchement, c'est très propre. Et bonsoir à Vodrepka, bonsoir à Elildor, bienvenue à vous deux. Et sans transition, on va passer à l'entraînement. Alors, tac, je remets ça. Évidemment, vous connaissez, hein, depuis hier, on a appris quelle était la connerie à faire, la manip à faire. Il faut que, parce qu'en fait si j'ai le malheur de changer de canal sur mon truc, je suis obligé de supprimer la source ici, de débrancher ça, de le rebrancher, paf, hop, là ça revient sur mon écran ici, voilà. Alors on a juste à faire device, tag, Elgato capture, et paf, ça revient, c'est magique. Et j'ai l'image sur tous les écrans. Voilà. Hop, ça charge, voilà, parfait. Pouf. Et pouf. Tac. Voilà, nickel. Par contre, j'ai pas de son. Ah si, c'est bon, j'ai le son. J'ai le son. Ah oui, hop, faut juste que je clique là-dessus. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, j'ai préparé les splits qu'on a nommés hier soir avant la fin du stream. Donc les splits correspondent à chaque monde en fait qu'on doit traverser dans le jeu. Parfait. Alors hier on s'était du coup arrêté au monde, on avait refait New Donk City, on avait refait tous les premiers niveaux, on avait eu les problèmes de capture de merde, mais maintenant que tout ça s'est réglé, on va pouvoir avancer beaucoup plus vite. Du coup, il nous reste le monde de la cuisine à apprendre, il nous manque, après il y a le dragon, après il y a le pays de Bowser, la lune, fin du jeu. Donc ça va aller assez vite et je pense qu'on peut tout apprendre ce soir, mais pour se mettre en chauffe, eh bien on va lancer une run avec des splits pour faire nos premiers splits dégueulasses avec un temps misérable. Gestion de données. Du coup j'avais tout préparé hier. C'est ça. Non, pas sauvegarder, connard. Chargé. Bon, je suis pas chaud du tout. J'ai le stress de ouf, donc je vais faire de la merde, je préviens, je joue au Joy-Con séparé, parce que je n'ai pas de manette pro, déjà. Et parce que pour le motion control, c'est quand même un peu plus pratique. Donc voilà. Hop, je suis bien sûr le logiciel. 3, 2, 1. C'est parti. Qu'est-ce que je prends? On a perdu un max de temps là. Est-ce que mon saut est pas légèrement trop à gauche? J'ai très peur. On va tomber dans le vide ou pas?
ça va. Non mais sérieux ? Mais sérieux ? Bon, le temps il est dégueulasse. Le temps il est dégueulasse. On split à l'écran noir du coup. 34, 46, 46. Oh là là, c'est dégueulasse. Immonde, immonde. Ah mais sérieux, voilà. Mais non mais quel connard. Monsieur Goué, j'avais pas vu que ça avait split. Du coup j'ai fait de la merde. Bon, le temps est niqué, c'est pas grave. Ah putain, et j'ai jamais passé la cinématique. J'avais pas vu, j'ai fait un split de trop. Bon, le temps est biaisé. Je sais plus comment on fait un undo split. On fait undo split déjà, je sais plus. Oh je sais plus. Oh je sais plus. Bon c'est pas grave. On assume notre connerie et on laissera le timer jusqu'à la fin du coup du prochain niveau. Dommage. Non, trop court. Putain ! Merci. Dommage. Oh putain, dommage x2 même. Il fait dégueulasse ce fight. Dégueulasse.
Je sais pas pourquoi j'ai un saut qui a pas été fait. C'est pas grave. Perdu du temps, mais... C'est pas trop grave, de toute façon on est là pour s'entraîner. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ouais, bon du coup là je split pas évidemment. Sinon on aura un split en trop. Mongol. Putain, je tremble avec le stress. C'est un truc de ouf. Non! Genre je l'ai loupé! Genre... C'est pas grave, on peut le choper plus tard. Je vais pas m'énerver. Mais genre j'ai été trop lent quoi. Vraiment. Du coup, il me manque le réseau, mais c'est pas grave. Oula, oula, tu pars un peu trop, fraise Mario. Vraiment? Putain mais... Vraiment quoi. Dommage, j'étais trop loin. Je sais pas pourquoi je vais trop loin à chaque fois quand je fais le saut casquette sur la glace. Mongol, mongol. Mmh.
Non, 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 pars pas aux fraises comme ça. Il est où l'oiseau? Il est où l'oiseau? Pourquoi il est pas là l'oiseau? Il est où l'oiseau? Bah. Il est où ce connard d'oiseau? Parfait. Non ! Dégueulasse. Je le foire jamais ce truc. Mais là dans la panique et tout avec le fait qu'il n'y ait pas eu le putain d'oiseau. Il est où mon oiseau ? S'il vous plaît. Bon, on va aller le chercher, hein. Putain, la perte de temps de ouf, quoi. Putain, il était pas si dégueu que ça, en plus. Ah, mais il est là, l'oiseau. Bâtard. Hein, tu me poses des lapins comme ça? Petit bâtard. Ah, putain, pour le récupérer, maintenant, je vais en chier, hein. Mais genre... Barrez-vous, les cactus. Barrez-vous. La perte de temps dégueulasse. Perdu 2 minutes là-dessus. Cette fois-ci, je ne me fais pas le con, je n'appuie qu'une seule fois sur la barre espace. Pousse-toi le chat, c'est pas le moment, je speedrun. Up.
Ok. On va y arriver. Ça, ça se passe pas trop mal. Le drame, ça va être à Toxil, je pense. C'est là que... Non. Et alors qu'il parle un peu vite. Putain, oh là là, dégueulasse. C'est pas grave. C'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. On reste calme. C'est pas grave. On n'a pas perdu tant de temps que ça. Parfait. Parfait. Le fight parfait. Salut Lixirian. Non mais putain. Il n'y a pas de cutscene, qu'est-ce que je prends là? On récupère les pièces. Ok. Ça chauffe par là, eh ouais. Ah, c'est la game de chauffe, hein. C'est la partie de chauffe. On s'entraîne. Ok. Ça, on a mis à peu près 3-4 minutes pour ce truc, en ayant fait une grosse connerie. Enfin, une grosse connerie. En ayant fait une connerie. Pas trop mal. Pas trop mal. Pour une première fois, c'est pas trop mal. Ah merde, j'ai jamais splitté, connard. J'ai jamais passé une cinématique aussi. Perdre du temps. Ah non hein. Petit bâtard. Je mets pas en chinois simplifié du coup. Non maintenant en plus c'est en japonais. Mais pour l'instant comme c'est l'entraînement, non j'ai pas mis encore. En vrai ça sert que à ne gagner que quelques secondes sur les textes. Donc pour l'instant déjà on apprend toute la run. Et après ouais, on commencera à s'entraîner en mettant en jap. Mais ouais ça a changé récemment. Avant c'était en chinois simplifié, maintenant c'est en jap. Que je branle. What the fuck? Il vient de se passer quoi? Pourquoi je me suis envolé déjà? Et pourquoi le truc n'a jamais touché? Ouais, c'est tendu. Hein. Ouais, c'est tendu ce que je viens de. Après ça va, j'arrive à skiller quand même, je ne suis pas un gros noob. Hein. Encore heureux. Oh putain.
caméra. J'ai jamais replacé la caméra comme il fallait. Qu'est-ce que je branle, putain, je me suis bourré de touche. What the fuck, meurs pas. Ça va, j'ai pas eu à attendre un cycle de plus, heureusement. Par contre, on perd du temps avec l'animation de régène de vie, c'est pas grave. L'important c'est d'aller au bout. Mongol. C'est pas grave. J'ai pas réussi. Ah, attends, ici on avait dit c'est là. Non. Là. Voilà, parfait. Il est assez chaud ce son. À faire parce que un petit poil trop haut et vous passez de l'autre côté de la barrière. Un petit poil pas avant, vous bonquez avant la barrière. C'est la joie. On va l'une la faire si en fait on la reprend en retour. Là, du coup tu vas voir avec le décalage. C'est volontaire. Ça devait m'arriver un jour, ça. Ça devait m'arriver un jour. C'est arrivé aujourd'hui. Alors que c'est la première fois qu'on met le timer. Ça m'était jamais arrivé. Et bah voilà. Putain, ah le... La perte de temps. Aïe. C'est volontaire hein, la perte de temps pour en prenant le drapeau, voilà, c'est pour éviter si jamais je fais de la merde et que je sexe. OMG cette transformation. Mais oui, Onion Man, bienvenue à Alghost. Parfait. Boss parfait.
Voilà, c'est fini ce niveau-là. Ah mais j'ai oublié un split. Il y a un split qui n'est pas là. Faudra que je le rajoute après. Et j'ai jamais passé la cinématique, d'accord. J'ai oublié le split du combat contre Bowser. J'ai oublié le split du combat contre Bowser, je suis un connard. Et parce qu'avant le saut de la foi, il y a Bowser. Bon, du coup, je vais compter pour les deux là, mais. Allez, est-ce qu'on va faire un perfect fight? Ça serait cool. Que je chie pas dans la colle sur le premier, ni sur le suivant d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je viens de faire, putain? What? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je confonds mes touches, j'ai mongolisé, c'est la peur de gagner. Une peur typiquement, purement française. Merci, putain. Oh putain, qu'est-ce qui... Je sais pas. J'ai trop paniqué, je vous jure, j'ai trop paniqué à l'idée de pas foirer ce fight. Ok, pour l'instant c'est bon. C'était pas dans la colle. Ah ouais, non, là c'était pas dans la colle. Ah, dégueulasse. Ah non, ah non, 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 ah non. Ok. Ah putain, du coup je pourrais pas la... Je l'ai pas skippé celle-là. Mais genre... Allez hop, casse-toi là. Le palmier dégueulasse! Le monde qu'il faut perfect! La moindre erreur ici, c'est fatal! Alors attention! Ouais, on sait, ta gueule! Ok, super! Parfait, change rien, Mario! Ok, first try. Allô? Qu'est-ce que je branle? Comme ça.
Oh, l'arrêt cardiaque que je viens d'avoir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, arrête. Bâtard! Pourquoi t'as pas touché la lune, enfoiré de ta mère? Calme, calme, calme. Est-ce que je peux le rattraper par là? Ouais, je crois que je peux. Sans que ça trigger. C'est un test hein, que je fais là. Ok, test concluant. Allô, allô. Ok, merci. Merci, je préfère ça. Oh putain, et la dernière la plus horrible. Non! Trop long. Bah, au moins, il faut qu'on s'entraîne à faire ça, mais le Death Warp mâche quand même, c'est pas grave. Ne mourir ici, ce n'est pas grave, c'est volontaire. Parce que comme ça, on a péri à côté du vaisseau. Fin du level. Voilà. Mais ça, en fait, on gagne du temps si on arrive à ressortir, mais c'est super dur. En vrai, c'est super dur. De ressortir sans se faire cramer la gueule. Ouh. Ah mais j'ai même oublié deux splits en fait. Ah j'ai oublié deux splits. Parce que j'ai oublié le saut de la foi. Ouais, j'ai oublié. New Donk City. J'étais persuadé de l'avoir mis, mais semble-t-il que non. Bon, celui-là, on l'a appris très récemment, donc ça va être. Je pense qu'on va plus faire d'erreurs ici. On l'a appris il y a deux jours, donc bon, voilà. S'il y a plus d'erreurs ici, ne vous étonnez pas, c'est normal. Mais je t'en supplie. Est-ce que... Mais arrête! Merci. Non, là j'ai fait de la merde. Non. J'y arrive plus. J'y arrive plus. Merci. Alors ça, ce saut là. Il est très dur. Ok. C'est pas grave, on l'a loupé, mais c'est pas grave. Tous les sauts ici, quasiment en début de run, c'est dégueulasse. On peut le dire. Thank you.
Aïe. Putain, je voulais pas bonk. Vas-y Mario, montre-nous ta lune entre deux poutres. Ah GG, pas mal. Non mais genre! Allez, le saut de l'ange. Ok. Ouh. C'est ce que je redoute le plus dans la run, c'est ça. C'est ce putain de saut dégueulasse. What? The fuck? Il est pas censé faire ce chemin là normalement. Wow. Putain, j'en apprends tous les jours. D'accord. Donc, je me suis fait toucher par quelque chose, on ne sait quoi. Ok, faut pas que je meure. Ça serait bien. Non. Dégueulasse. En une phase à passer, il est immonde ce boss. Il est super dur. Parce que, évidemment, la visée, elle est ignoble. Terminé. En fait oui, si le saut de la foi, je l'avais mis pour ça, je l'avais pas mis sur sur Toxil. Je suis trop con. Le saut de la foi, il était pour ce monde-là, je me souviens, je l'ai fait hier. Mongol quoi. Ok, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier deux lunes comme hier, pendant l'entraînement. Non mais vraiment, arrête. Donc... Non, t'es sérieux? Allez, la voiture télécommandée, on sait que c'est un grand moment. Ah super, parfait, change rien. Ah, y a peut-être un truc là, attends. Dégueulasse, les contrôles, putain, c'est immonde. Ah. Ok. C'est bon.
D'accord. La hitbox de ce truc est assez étrange. Qu'est-ce que je branle ? Bonjour petit chat. Non mais non mais assis-toi. Putain j'aurais jamais dû bouger. Mongol. Qu'est-ce que tu fais? What? J'ai jamais touché le bord? Ok, pas grave. Pas mal. Bien rattrapé par contre. Bien rattrapé. Bon, alors là j'ai juste un léger doute sur comment on fait pour aller à la prochaine lune. C'est juste le chemin qui me semble pas être celui auquel je crois. Enfin auquel je pense. Joli saut, ouais. Merci. Petite référence à King Kong. Bon, c'est pas grave, je l'aurai pas en directement en plongeant. Vu que je me suis foiré, mais c'est pas grave. Ah, et celle-là, la voir du premier coup. Ah, dommage. Sans mademoiselle. Yo. Et voilà. Ouh. Bon du coup on a fini. Du coup on a fini mais comme j'ai en fait faudra qu'on refasse les splits juste après avant l'entraînement de bouillon cube. Parce que en fait c'est maintenant qu'on va arriver à... Non, mais qu'est-ce que je branle? Faut que je me... Voilà, me TP. Non, je me suis TP au mauvais endroit, c'est pas grave. C'est l'entraînement.
Là, après Pulpinator et glace de merde, faudra qu'on apprenne bouillon cube en fait. Le pays de la neige, je m'en souviens mal. Je pense que ça va être catastrophique. Après, c'est la première fois qu'on le fait en run complète celui-là, hein. Donc. Joli combo. Alors, attends. Ce saut-là, il est assez dégueulasse. Putain, je dis ça et je le réussis du premier coup, alors que l'autre qui est vachement plus anecdotique, je le foire. Logique. Ok. Merci, le bon. À qu'on fasse un compteur de bonk. Ok. Oh putain, ça c'est dégueulasse. Parfait, on la refait, hein. Ah putain, non, non. Ah putain, c'est ignoble à contrôler ce truc. En même temps, on n'est pas habitué, c'est normal. Non, putain, mais par pitié, par tout droit, quoi. Je t'en supplie, quoi. Un jour dans ta vie, par tout droit. Alléluia. Dégueulasse. Ne me posez pas cette question, je ne sais pas. Ah
You le... Putain, il est tellement loin, évidemment, vu que j'ai perdu 1000 ans avec la fleur. Forcément, derrière, lui, il est décalé. J'en oublie un. Et j'oublie une lune. Ah merde, j'ai oublié une lune. Et je vois pas laquelle c'est. Parce que normalement c'est celle-là la dernière. Ah. Oh, regardez. On va regarder. Alors, le speedrun de Value. Mais non, mais mon golo. Arrête de changer de place, toi. Alors. Le trou de mémoire est présent, hein. Désolé. Ça fait partie de l'entraînement aussi. Tac 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 tac, le monde de la neige, nanana, le monde de la mer, je veux. Donc. Ah oui, c'est bon. C'est celle-là que j'ai oublié. Ok, on sait maintenant. Mais c'est bien que j'ai oublié un truc. Ok, c'est au début du niveau. C'est au début du niveau, donc ne paniquez pas. Hop, je redimensionne juste un truc. Tac. Non mais arrête de bouger, je t'en supplie. Je veux juste la déplacer, la truc. Merci. Ok, continue. Donc, on fait ça, et... Odyssée. Ça va qu'elle est à côté du début. Et qu'on n'a pas 800 000 km à faire du coup. Je vais relancer le timer aussi. Bon, le timer, il est, de toute façon, il est daubé. Hein. Il est daubé vu que j'ai fait que de la merde. Alors c'est juste après ça. Ah oui, c'était juste là. Je suis passé devant, comme ça, en mode no-car absolu. Ah, allô? Pourquoi t'as fait ça? Mario? Ok, Mongol. Non, Mongolo. Mais putain, mais Mongol. Allô? Est-ce que je peux arrêter de faire de la... C'est vrai qu'il y a de la perspective et que c'est pas de la vraie 2D. Donc, quand je fais ça... Voilà, j'aimerais bien atteindre cette lune, un jour, hein. C'est ridicule. Hier, je l'ai eu du premier coup, genre easy first try. Et là, je suis en train d'en chier comme pas permis. Je le vis bien, je le vis bien, hein. Putain, mais la misère. Attendez, parce que là, en plus, je vois plus le chat. Voilà. Ça, du coup, je suis obligé de le déplacer. Voilà. Voilà. C'est bon, comme ça, je vois le chat. Donc, là. Là. Là, je me déteste. Putain, quand même!
dégueulasse ce temps. Dégueulasse. Allez, la neige. Pareil, première fois. Parce qu'on les a appris les deux à la suite, ce qui était court. Ce niveau est pas facile non plus. Salut Captain Toad, ça va? Tu me files ta lune s'il te plaît? Merci. Ce n'est pas un sous-entendu sexuel hein. Oui, petit. Oui, petit. Allez, à plus. Ouais, ouais, genre. Ah bah tout de suite, voilà, ça parle de Fion. Vodrepka, il est là. Alors attends, après c'est, je crois que c'est le magasin en second. Ce nom de ville de merde, mais oui. Mais c'est les flonflons, moi je les appelle les fionfions du coup. Enfin, beaucoup de gens les appellent les fionfions parce que beaucoup de français en fait quand ils ont vu flon au début ils ont lu fion. Parce que le L ressemble beaucoup à un I. Et ils parlent comme Fa. Allô? Ok. Attends, parce que du coup je sais plus. Ah non, mais c'est celui-là qu'il faut utiliser. Putain. Non. Bien, bien horizontal, s'il te plaît. Joli. Joli, joli. C'est pas du tout comme ça qu'on passe, hein. Normalement, des pervers, tous ces gens-là. Bien sûr. Allô? Bref, un jour éventuellement, hein, j'en mettrai la caméra à droite. Sérieux? Vraiment? Putain, j'étais dessus quoi, bâtard. C'est celui-là, hein. Attends, je sais plus. Non, c'est celui-là. Joli, mais t'as bonk juste derrière, quoi. Ouais, oui, j'ai bonk juste derrière. Ouais, ouais, c'est de l'entraînement, hein. Ah non, celui-là, j'y arrive pas. C'est vachement dur. Bientôt plus de cachet, moi. Ok, après, il me semble que c'est ça. Mongol, gros mongol. Nous te voyons. Oh mon dieu. Ah la glace, ça glisse. La glace, ça glisse, hein, en retard 2017. Après, ça sera bientôt l'eau, ça mouille. Non mais t'es sérieux là? Viens là, petit bâtard.
Bon alors ici, je déteste parce que ça glisse de ouf, mais genre... Ah, ah. Pourquoi t'as pas... J'ai appuyé, connard! Désolé pour vos oreilles. Ah non. Ah putain. C'est pas compliqué quand même. Ah 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 ah. Vous vous rendez compte que déjà le record du monde là dans 5 minutes il a fini, en vrai. Là dans 5 minutes il a déjà fini sa run. Et moi il me reste 3 mondes. Je crois que c'est cette entrée là, si c'est pas celle là je me la coupe. Ok c'est bon, c'est celle là. Mongol, ce bonk. Alors, on a fini ce niveau de l'enfer, et maintenant, bah, ça va être apprentissage pour la suite, parce qu'on ne la connaît pas. Ouh. Et on peut arrêter le timer ici. Alors. Le pays de la cuisine. Alors, déjà je vais décaler ça ici, on va éditer les splits parce que... Tac, tac, viens par là toi. Parfait. Ah mais je peux pas les éditer parce que le truc est en cours, c'est pas grave. Du coup on va laisser tourner le timer, on s'en fout. Bien. Alors, maintenant, on remet, hop, ça, ici. On va mettre ça là. Oh là là. Hop, en dessous, comme ça les gens ils voient quand même ce que je suis en train de faire. Et regarde ça. Alors, du coup, pays de la cuisine. Commence là. Mec, y a tellement pas le temps. Ah, il s'est chié. Ok. Déjà, c'est vénère. Hein. Il est vénère, le Finlandais. Hein. Ok. Juste mettre le chat ici. Ok, on va le faire. Ok, j'étais trop loin du mur. Ah putain, j'ai... Ah ouais, ah non là, ça c'est dégueulasse.
Ah putain. Il y a un petit rebord, vous voyez. Ce rebord, il est un peu chiant. Ok. Je sais que ça, c'est un des pires. Hein. Pourquoi il est pas resté sur sa casquette, connard. Pourquoi j'ai pas assez de hauteur? C'est une blague? Mais genre. Attends, je vais revoir comment il a fait. Attends. Non, pas vitesse x1,25 justement, je veux ralentir. Into Saumural, into Saucasquette. Ouais, mais comment on se fait-ce que lui, il arrive à cette hauteur? The fuck? Une blague? Une blague, c'est pas drôle. Donc. Eh ben écoutez, on va le refaire, hein, parce que pourquoi là c'est passé et pourquoi les trucs d'avant c'est pas passé. La question est lancée. D'accord, là c'est pas passé. Et pourtant je fais exactement la même chose, hein. Genre vraiment. Ok, bon là c'est de la merde. Là c'est normal. C'était trop loin. Mais putain. Je ne comprends pas. Mais what the fuck? Tu fais pas la même, tu pars plus loin alors qu'après le saut contre le mur, faut sauter avec casquette derrière. Le saut pas sur la droite à mon avis. Ouais chaud. Non mais si, enfin. Tac, 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 tac. C'est ça la manip. C'est ça la manip. Mais il y a des fois, je ne comprends pas pourquoi. Tu vois? Et ça se joue à rien, hein, ça se joue à un micromètre de cul, quoi.
Ah, je sais que c'est pas assez haut. Ça se voit en fait à la hauteur du saut. Attends, je crois que j'ai saisi la nuance. Je me suis foiré de touche. Je pense qu'il faut pas forcément balancer la casquette de suite après le saut et attendre d'être un peu plus haut. Ah, je la balance pas tout de suite. Ah, tu vois, là je suis au plus haut. Ah, ok, ouais, j'ai capté. C'est bon, j'ai capté la nuance. On le refait. Ah non, j'ai trop attendu là. Ouais, non, ça passe pas. J'ai un micro bug. Ok, là j'ai pris le rebord dans la gueule. Là aussi. On va y arriver. Hein. C'est de l'entraînement, c'est un truc à train parce que ça sinon après... Ouais non, c'est ça. Faut juste faire ça parce que je faisais la casquette juste après. En fait, juste après le premier rebond casquette, en gros, je faisais casquette tout de suite. Mais en fait, il faut attendre un petit peu. Casquette, saut mural et tout casquette, saut plongée. Je me comprends. Très bien. Le monticule de sel. Ah, parfait. Dédicace à tous les joueurs de League of Legends. Ceci est ce que vous déféquez chaque jour. Ok, après c'est boss fight. Ok, c'est ce mec là, donc il pose pas de problème. Ok, donc on sort. On sort direct. Tac, tac, tac. Ah, ok. Ça marche aussi comme ça, hein, bon. Toujours aussi 0, hein, ça doit être le plus nul des 3, je crois. Des 4, pardon. Non. Moi, j'aurais fait toucher. Ah, il prend pas les pièces. C'est vrai que j'ai plus besoin de pièces à ce stade du jeu, je suis con, je sais même pas pourquoi je me fais chier. Je pourrais aller encore plus vite. That's like 3 seconds. Et encore, il dit qu'il a perdu sur sa run pas mal de temps sur la machine de bois et Bowser. Mais la machine de bois, c'est normal, c'est... la manière dont on le fait est pas du tout la manière prévue, c'est extrêmement compliqué, vous allez voir quand on va l'apprendre tout à l'heure. Event Moon still lose time, as you can see. Parce que le split Dark Soul en fait en soi n'est pas long du tout. Only multi moons don't. What the frick? Qu'est-ce qui. Sa réaction elle est tellement priceless. Attends. Event Moon still lose time, as you can see. Only multi moons don't. Ok, c'est juste là. What the frick?
What the freak? Well, this is a bad luncheon now. I'm joking. À chaque game, t'aurais dit ouais. C'est, je pense que c'est plus juste, effectivement. Parce que je suis désolé, j'avais pas vu le chat. Ok, donc après, tu montes là. Ok, tu fonces là. Tu sautes sur la colonne. Into rodeo jump, tout ça. Ok, ok, on va se calmer, deux secondes. Hein. On va faire pas à pas, parce que sinon je vais zapper. Okay. J'ai fait la même connerie, mais on s'en fout, c'est pas grave. What? Oh putain. Ouh. Ok. Ensuite. On saute direct là, puis là, puis là, puis là. On va sur ce toit là. On fait ça, motion control vers le bas pour péter la caisse. Ok. I'm choking on lunch. Ok, donc on a dit. Ah voilà, regardez, on joue en italien dans un truc de musique de resto italien. Moi je pense que c'est tout à fait approprié. Ensuite c'est le navet. Jusque là, toi bien. Oui. Ensuite on saute sur le pilier, tac, il y a une deuxième lune. Ok. Donc navet into pilier. Navet into pilier. Into îlot de sel. Toujours hein, les dédicaces aux joueurs de League of Legends, bien sûr. Ah, dommage. Et quelle merde! Oh putain, je reprends là en plus. Oh là là, faut surtout pas que je meure à ce stade du jeu. Quand je ferai une vraie run, parce que sinon ça sera catastrophique. J'aime trop cette musique. Trop chouette, je trouve. J'ai très peur là pendant un instant. Sur l'île de sel dans la mer de lave. Ok, ensuite. Ensuite, on prend la bouboule de feu. Ok. On fait le motion control pour aller plus vite, on saute là, into là, into là, into ici, hop, saut rodéo,
Attends, what? What? Oh, ça a l'air dégueulasse à faire ça. Ouh, oh, je sens qu'on va se faire chier. Je sens que celui-là, c'est pas tout de suite qu'on va le maîtriser ça. Allô? D'accord. Allô? Ouais, moi ça marche pas. Attends, mais bon. Ah, voilà. Ok. Ok. Comment il a fait? What? Comment, mais lui, comment il a réussi à faire sa casquette? Non, on va le faire sur le côté, hein. Ah non, c'est de la merde sur le côté. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Du coup. Ok, on prend le frère marteau. Ah, t'es sérieux? Oh, la bite. I needed to get the switch somehow. Donc ensuite, c'est cette lune là. Ok, bon, déjà on va faire ça. Mais barre-toi, bâtard. Non, j'avais pas tout pété. Eh, pouille, les pépouilles. Ok. Alors maintenant c'est quoi? Ok, donc on prend la boule de feu. Ensuite, into ça. Ah ouais. Ok. D'accord. Ensuite, il y a ça. Donc, le pot au feu. Into le... Oh là. Oh mon dieu, ça va être dégueulasse. Oh. Oh mon dieu! Ok. Donc. J'ai réussi tout bien. Pareil que lui là pour le coup. Propre. Propre et vite. Ensuite. Ensuite je suis perdu. C'est par là, je crois. Oui, c'est bon. J'ai. Ah, pas mal. J'ai le feu au cul. Allô? Ok, allô?
J'ai arrêté de faire de la merde, promis. Mais j'ai pas pris la lune, mais quel mongolo! Oh mon dieu, c'est ignoble! Et ignoble ce passage! Je perds du temps, hein, mais En vrai, c'est grave chaud. En vrai, c'est super chaud. Immonde. C'est tellement dur. Pourquoi t'as fait ça, connard? Allez, je vais faire un test. Si je meurs, c'est normal, ok? Ok, en direct comme ça, avec le saut comme ça, ça ne passe pas. Parce qu'en direct, je peux skipper la petite plateforme qui bouge. Si c'est le cas, c'est good. Si c'est pas le cas, je suis baisé. Ok, ça ne marche pas. Je suis obligé de prendre cette petite plateforme de merde. Mon dieu. C'est super dur. Non. Je l'ai lâché en espérant pouvoir arnaquer le truc. Mais ça n'a pas suffi. Ok, on s'entraîne, hein. Non, dommage, je me suis foiré sur la tomate. Ah, l'emplacement de ce truc est dégueulasse. Mais quel connard! Ok, GG. En fait, il faut que je regarde un truc.
Ok, déjà il gagne du temps comme ça. Et lui il arrive à passer directement sans passer par la plateforme. Please. Oh là là, le mec. La maîtrise de ce contrôle, quoi. What the fuck, quoi. Mec, il est ouf. Mec, il est juste ouf. Ok. On la refait. Oh, ça n'a pas marché. Et lui, quand il arrive là... Ok, d'accord, ça marche. Non, j'étais dedans, putain, j'ai cru que j'étais pas dans ma terre. Pas mal, GG. Mais s'il te plaît. Mais c'est vraiment. Compliqué celui-là, hein. Très compliqué, hein. Enfin, le taf est celui-là. Nice. Ah ouais, direct. Mais perd tellement pas de temps. C'est ouf, ce passage, ce monde il est assez ouf en termes d'exé par contre, hein. Waouh, quoi. C'est par là, hein. Ok, c'est ça. Je sais c'est quoi la suite, donc enfin, la suite c'est les trois dernières lunes, en fait c'est la triple lune qui est là, mais il faut passer la cinématique, par contre c'est un peu mieux. Voilà, c'est ça. Donc et on a fini le niveau. On a fini le niveau. Ok. Nice. Je m'en fous. Est-ce que tu peux, voilà, toucher ça. Alors on va mettre ça, on va avancer ça. Ok, donc normalement ce monde là, hein, c'est juste un boss. Alors on va voir comment il optimise ce boss, c'est ça qui m'intéresse. De toute façon y'a rien à faire.
Alors, il a lâché le cœur exprès. Est-ce que c'est une backup strat? Il perd de la vie volontairement pour être direct dessus à la frame. Nice. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi il a lâché les cœurs. Ok. Donc ensuite il va récupérer son point de vie. Nice. Après il a juste à esquiver ça. Voilà, il vole un petit peu pour esquiver tout ce bordel qui est trop ras du sol. Ok. Nice. Il s'est chié dessus. Bad dragon fight. Effectivement, il l'a un peu foiré. Ok, d'accord. Bon, bah ça va, ça va staffer assez vite. Ça va staffer assez vite, ça. Nice. Du coup. Nice, je récupère mon point de vie. Nice. Non, genre. Après, je vais pouvoir pas se toucher par contre. Enfin, j'ai le droit à une touche quoi. Dommage. Bon bah du coup on va le faire de manière normale. Good. Mais il est classe ce boss, je l'ai bien aimé quand je l'ai vu. Alors le prochain niveau, je ne sais pas s'il faut des lunes nécessaires, s'il y a un nombre de lunes nécessaires, parce qu'en tout cas ce n'est pas marqué à l'entrée du niveau. Donc je suppose que on va en récupérer, mais est-ce qu'on peut pas rusher tout simplement au boss? Et l'une nécessaire, je crois, pour activer la suite du niveau, donc ça, on est obligé de les prendre. On est quasiment à la fin du jeu, hein. Il nous reste deux niveaux, les gens. Attends, juste par curiosité, il le fait quand lui son split? Quand est-ce qu'il split lui?
Nice copy pasta, chat. You bonky for 48 bits. Quand est-ce qu'il split? Ok, il split à l'apparition de ce truc là. Ok, d'accord. Alors, on va y voir. Au début il fonce. On s'en fout ici, rien à prendre. On trace juste, ok, directement. Après on prend un petit oiseau. On lâche direct en haut. On se barre sur la suite. On n'a pas de temps à perdre. Checkpoint, c'est pour les faibles, t'es sérieux? Ok. Ok, donc on prend cette lune de toute façon parce qu'elle est obligatoire si on peut pas avancer. I'm stressed playing this oatmeal. Keepo. Ok, donc on prend ça. On prend ça. What the fuck? What the fuck? Ce truc a aucun sens. Ouais, attends, je vais pas retenir. Je vais pas retenir si je continue là. Non, XP, trop bien, s'il te plaît. Tac. Ok, on est bien. Du coup, le jeu. Hop. Ok, d'accord, j'ai pas du tout pris le bon oiseau, mais c'est pas grave. Ah, attends. Okay, parce que je suis pas encore au fait du contrôle comme il faut des oiseaux avec le motion control, parce que je ne l'avais jamais utilisé le motion control en fait, pendant ma partie régulière, on va dire. Je joue un peu plus safe, hein, vous comprendrez, je pense, assez aisément. Ok, Mongolo. Yo! Ok, on se la refait. Donc là. Ensuite. Tac into là. Non mais connard, là. Allô? 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 Barrez-vous, con de piaf. Ok. Non, là. Ensuite.
Reviens speedrun.com, merci. Ok. Nice. Attends, what? Reviens légèrement en arrière, s'il te plaît. Ok, on récupère celle-là. Ça, c'est bien la troisième, ok. Ensuite, il tombe ici, il casquette et il se raccroche ici. Nice. Ok, et la dernière, c'est piaf. Il se met dans le bon angle, il shoot la bombe, il récupère pas la truc, et il récupère l'étoile ici. Ok, donc il y a bien des étoiles à récupérer, je ne sais pas combien, enfin des lunes, pardon. Nombre de lunes à récupérer, je ne sais pas combien, mais il en faut. Nice. Faisons ça. Je l'ai bien rattrapé, heureusement. Dommage. Je fallait pas que je le prenne en plus maintenant. Dommage. Ok, donc il y a un truc à récupérer ici aussi. Comment il fait? La casquette into casquette derrière. Tout simplement. Tac. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Mais genre, pourquoi j'étais pas assez haut? Pourquoi? Pourquoi le monde est-il si cruel? Donc, tac, 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 hop, hop. Faudra que je note que celle-là est une lune dangereuse à récupérer. On n'a pas à récupérer ici. Bon, je vais prendre le checkpoint, moi, ouais, je suis pas un ouf. Bon, elle, je sais comment la fast kill, normalement. On va vérifier juste comment il fait, ouais, ça. Après, t'attends. Tu vas dans la même direction qu'elle, tu shoots sa bombe, on est bon. Et on recommence l'opération. On attend qu'elle lance sa bombe. Hop, hop, on décale, on lui renvoie dans sa gueule, on lui saute dessus. Ce sera le prochain qui m'intéressera plus. GG. GG. Comment il fait? Genre juste le mec il décale et... Allô? Merci.
Mais genre... Alors lui par contre je vais regarder le fight avant parce que... Parce que lui il a beaucoup de chapeaux et il est casse-couille. Ok. Oh putain, il va savoir lequel c'est le bon après. God damn it. That's it. Ok. Dégueulasse. I need to practice the green bunny. Ouais non mais le vert c'est le pire. Il a raison quand il dit qu'il doit le s'entraîner dessus parce que c'est le pire. Le vert c'est le plus dégueulasse des quatre. Hein. Oh j'ai eu. Oh j'ai fait mieux que lui quoi. J'ai fait mieux que le record du monde sur ce boss. Pou. Voilà. J'ai fait mieux que le recordman du monde sur ce boss. Et ça, c'est priceless. Ah. Là ma fierté. Ma fierté et voilà. Un petit peu de. Mieux quand même. S'il te plaît, chance aussi. Quelle chance, j'ai bien visé. Où elle est où la chance, se rache pas. C'est quoi cette la chance n'a strictement rien à voir. J'ai juste killé là. Ah, je suis désolé, mais c'est pas un combat où la luck apparaît à un seul moment du combat. Pas de luck. Non mais oh. Ah oui, si je vous montre pas... Normalement, c'est la dernière ligne droite avant le boss de fin de ce niveau qui est dégueulasse. Oh là là, cette ascension. Oui. Ok, déjà on va faire jusque là et on va se calmer, hein. Parce que déjà c'est très très vénère. Hein. Attends, hop, je remets le chat parce que sinon je vois rien. On va faire la même pendant ton vrai run. Bah oui, non mais c'est clair. Ah bah après voilà, ça là je l'ai très bien réussi donc je suis très content. Mais oui, il faudrait que ça reste constant. Attends. Donc là, c'est... Ouais. Je suis trop proche du mur. Barrez-vous! Cassez-vous. On la refait. 1, 2, 3. Ok. Oh
Attendez. Comment il l'a fait lui? Non mais j'ai pas tout vu du coup. Hop. Non mais reviens avant, reviens avant. Parce que là c'est le boss dégueulasse. Donc on regarde ça. Ok. Ah oh ouais d'accord, ok ok. Attends, y a un truc que je capte pas. Je descends volontairement hein. Effectivement, en fait, je suis pas obligé d'appuyer à fond vers le bas. Alors. Alors, je connais la strat sur ce boss, elle est dégueulasse. Voilà. Il faut monter là. C'est pas normal du tout hein, de monter jusqu'ici. Voilà, arriver ici, faire ça. Après, pendant qu'on est dans l'air, paf, il va nous repousser une deuxième fois. Paf, en fait, voilà, faut s'accrocher à la vie. Bon, ce boss, il est très dur, même pour le record du monde. Hein. C'est extrêmement compliqué de réussir à le perfect. Je crois que d'ailleurs il a dit qu'il s'était chié dessus sur ce boss. Enfin qu'il avait perdu beaucoup de temps sur ce boss. Donc on va voir. Hein. Alors c'est pas du tout normalement comme ça qu'on le fait. Hein. C'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus simple. Okay, non pour l'instant il le fait très bien. Rudy dit qu'il a perdu du temps. Ah c'est peut-être pour ça. Ah. Ok, we're still in there. Putain, mais il l'a quasiment perfect, enfoiré. Oui, ouais, j'ai perdu beaucoup de temps sur le boss. Putain, connard. C'est pas ça, perdre beaucoup de temps. Falloir train le trajet direct, ça va être tendu. Ouais, le trajet direct, il va être tendax. Je me sens à le faire, en fait. Là, j'apprends tout. Comme ça, après, on fera des runs complets. Et pour les runs complets... Ah merde, faut que j'enlève ça. Okay, parfait. Dommage. Parfait. Parfait. Attendez. Mais non mais je sais comment on fait connard pour le faire normalement ce putain de boss. Je récupère juste de la vie histoire de pas mourir. Parfait. Elle est où la petite caillasse? Attendez, on va tenter un truc. Non, je me suis chié dessus.
Non, putain. Immonde, immonde. C'est trop dur de monter jusque là. Ah c'est... Non mais je vais la tenter hein, mais c'est grave chaud hein. Mais ça pour tout le monde hein, c'est... C'est, je crois que c'est la... C'est le truc le plus dur à exécuter Putain dommage, j'ai rebondi trop loin pendant le bonk. Mais barrez-vous! Non. Ensuite, tu fais tac, tac, tac. Putain! Attends, faut que je re-regarde. Faut que je re-regarde, en fait, c'est à partir de la jambe que je me chie dessus et Tic, tic, tic. Ah, il passe bien en dessous, mais c'est chaud, hein. C'est super chaud. C'est super chaud. En vrai. Ah, franchement, bah, tu vois que c'est pas du tout comme ça qu'il a été pensé, le boss, quoi. Allez, barrez-vous. Je vais juste récupérer de la vie. Sérieux? Mais non! Casse-toi, casse-toi! Mais non, mais pourquoi il a glissé, connard ? Okay. Ah putain que c'est dur. Oh là là, mais quel enfer. Ok, on y est. Non. Oui. Ah putain, non. Ah putain, mais comment il fait pour monter direct? J'ai spammé la casquette. J'ai pas assez spammé, je pense. Du coup, je suis baisé. Du coup, je suis baisé. Ok, là, je suis obligé de prendre un oiseau pour remonter rapidement. Ah putain, la bite. La bite. Non, bâtard. Ok. Ce qu'il faut train, c'est surtout, c'est aussi le truc pour rester dessus. Donc c'est pour ça là, que je le fais avec l'oiseau. Putain, parce que ça va nous arriver, hein, spoiler.
Nice. Je sais pas comment il fait. J'ai plus de caillasse, hein. Ok. Ah, bien joué. C'est pas grave, on va pouvoir retrain. C'est chaud, ça. Ce boss là, il est chaud. Nice, sans bonk. Ouais, j'ai bonk et je me suis foiré, évidemment. What? Mais qu'est-ce que tu branles? Mais qu'est-ce que tu fous, putain, je l'avais, j'ai chié dans la colle parce que l'autre connard de Capi m'a parlé que ça m'a fait paniquer. Bâtard! Sac à merde, Bashibouzouk! Ah, merci. Merci, Lixi, des bisous. Merci pour l'encouragement, bonne nuit à toi. Oh putain, sérieux. Nice. Putain, je l'avais. Comment il fait? Sérieux, comment il fait? À quel moment il arrive à lancer sa casquette au bon endroit? Putain, mais il arrive vachement tôt à lancer sa casquette, hein! Non, mais c'est ouf! C'est un truc de ouf. Ouais, du coup, j'ai plus de dégâts. Pas mal. Mais regarde, moi je suis déjà super loin quand je peux lancer ma casquette, c'est quoi ces conneries? Comment ça se fait? Pourtant je spam, hein. Comment il fait? Comment fait-il? Oh, regardez, je pense à un petit tuto sur internet, doit y en avoir un. Mais non, mais putain. Mais putain d'oiseau de merde! Cassez-vous! Mais t'es sérieux, le jeu ?
Casse-toi. Bâtard. Allez, évidemment, eux, ils nous prennent à la réception. Et lui, il va me tuer. Ouais. Dur. Voilà, putain. Évidemment, bah oui. Pas deux fois, hein. En réalité. Nice. Voilà. Putain, j'ai rien vu, j'ai rien vu. C'est trop dur. C'est trop, trop dur. Mais pourquoi? Pourquoi? Putain de merde! Voilà, là, ça te va, là. Pourquoi t'as glissé, connard? Putain, et là, il touche le plafond parce qu'il va trop, bordel de merde. Relou, tu es relou. Je tiens à te le dire. Évidemment, piaf de merde. Voilà, arrête de me faire chier. Toi pareil. Je pense qu'on va rename ce monde, hein. Enfin, ce split.
Merci. Mais j'ai spammé comme un putain de tarde. Pourquoi ça marche pas? Pour qu'on regarde sur internet, il y a forcément une explication. Alors, YouTube. Moi, je veux qu'on m'explique. Sur speedrun.com, ça doit être expliqué. Alors, Mario Odyssey. Regardez, any% no assist. Nanana. Moi, je veux un guide. Any% beginners, World Rigor History, Dark Sides Guide, How to Glide on Better, Mecha Brudal Quick Kill Tutorial. Voilà. Mecha Brudal Quick Kill Tutorial. Alors, tac, tac. Yo, what's going on, guys? This is Bar Loser. I am going to be doing a Mecha Brudal Quick Kill tutorial video. This is for beginners. So it's going to cover some slower but more consistent strats. I mean, they might not be more consistent, but they are consistent strats. And I find that they are fairly easy to do with some practice. So basically what you're going to do for the first phase is you're going to do the same thing that you would normally do. Wait out these two bombs, and if you throw Cappy and capture this bird as he's falling, you can start moving back right away and hit this first bomb. C'est pas la phase trat, ça. Wait for the third one to stick. And then you can just come up top, and you want to come up to this right corner here when you hit him. Because once you get blasted away, you're going to want to immediately run straight forward and latch back on to the bottom left corner on the screen right now of the map. So it's gonna look something like this. And once you get up on there, once he stands back up, you can release your peck with the Y button. You don't want to jump out of the bird yet. Parce qu'il fait un truc, and he's going to blast you away. And once you get blasted away, as soon as you like start falling downwards again, you want to jump out of the bird, Cappy throw, and dive back onto the mech. So it'll look something like this. And then this one on the right here, after three steps, so there's two, three, you're going to want to jump and ground pound onto him, and as soon as you ground pound, you're going to get blasted away. When you get blasted away, Mario will do two backflips. And after the second backflip, as soon as Mario is like straightened out again, you want to throw Cappy and dive to bounce off of him. Stall with the jump button. So just after you bounce off Cappy, stall with the jump button, and then throw Cappy and dive again. And you should have enough height and distance to make it back onto the mech. So that'll look a little something like this. One, two, straight out. And then you'll get blasted out again. Straightened out. Back on. And then what you want to do is you want to come around to the backside. He's gonna run twice, bounce off the wall, and then he's gonna run back into the middle. I find that crouching, here's another thing. When he's running around, it's very easy to get tossed off if you're standing around or running. I found, I don't know if it's just a placebo effect, but crouching and standing still right at the back here, you will almost never fall off. You'll almost never get thrown off. So he's gonna do that, he's gonna do two steps like that, he's gonna rear back, he's gonna spin and shoot out the bomb rings. And then after that, he's going to take five steps. You need to be quick on this one, because
if you wait too long after the fifth step, people start glowing white. So as soon as he takes that fifth step, you want to jump off and ground pound to the one on the back. And then you're going to do the same thing to get back on top. After Mario straightens out after the second flip, you are going to throw Cappy, dive, stall, throw Cappy, dive. And then you'll get blasted away again, and you'll want to throw Cappy, dive, stall, throw Cappy, dive. And then you'll be on the next phase. You'll be back on top again for the last phase. So, 1, 2, 3, 4, 5, ground pound, throw Cappy, stall. Throw Cappy, stall, dive, back on top. So for this last phase, you'll notice that time I did kind of get pushed off, but that's because I was trying to move while I was crouched. That very, very rarely happens. So if you're crouching towards the back there, you will almost always be safe. If you want to move up a little bit, like up here, you can. But, I mean, it's just, if you want to be like up towards the middle and then after like the fourth step, start moving towards, because that's when you'll need to get close to ground pound. But on this last phase, ok, je crois que j'ai. Voilà, désolé hein, pour la vidéo en anglais. On va pouvoir reprendre. Alors lui, il fait un truc intéressant. Il commence pas par ça. Je pense que c'est un peu plus lent, mais c'est carrément plus safe. Il attend deux bombes. Ok, déjà ça marche pas. Ah oui, parce que j'en ai pété un. Oui. Donc on va se suicider en fait. Voilà. On va se suicider, on va essayer sa méthode à lui, qui est légèrement différente sur la première phase. Légèrement. Donc on se met là, on attend. Je passe à reculer, nickel. Ok, parfait. Ah non merde, fallait pas que je saute de l'oiseau. Ah j'ai chié. Ah j'ai fait de la merde, on recommence. Vas-y tue-moi. Non mais tue-moi connard. Non mais sérieux. C'est pas grave. Vraiment. Ah bon voilà, tue-moi maintenant. Non mais sérieusement, tue-moi l'oiseau. Ah merci. On la refait. Non, 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 fallait pas que je fasse ça. Putain, je suis foiré.
arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Vas-y, tue-moi. Avec la panique. Mais en tout cas, je sais pourquoi j'arrivais pas à remonter sur le mecha. Donc on va essayer la vraie fast trap, hein, donc celle-là. Il y a juste ça au début qui est grave chaud à faire, mais ça va. On y est bien arrivé évidemment jusqu'à ce que j'ouvre ma gueule. Ta gueule. Toi ta gueule. Toi c'est pareil. Ah, putain, paye pas que je le tue. Nice. Mais putain. Ok. Horrible. Pourquoi tu dives pas, connard? Je t'en supplie. J'y arrive pas, quoi. Juste pas. Non mais pourquoi j'arrive pas à remonter dessus, putain. Ce boss de l'enfer. Ensuite, 1, 2, 3, 4,
5. Et je suis dessus depuis trop longtemps et j'ai paniqué parce qu'il brillait, connard. La main connard comme un gros connard. La main connard. La main connard. J'ai paniqué parce que je suis un connard. Bâtard. J'ai shooté dedans, sérieux, oh là là. Yes! C'est bon, on y arrive de mieux en mieux. L'entraînement porte ses fruits. Bat! Mais non, mais putain! Ah, je suis deg, non, sérieux. Pourquoi, quoi? Oh là là. Putain. Au moins, on y arrive mieux. Il y a une progression, quoi. Clairement. Ok, nice. Faut un oiseau, s'il te plaît. Faut un oiseau pour remonter. Merci. Non, ah putain. Ah. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Ah putain. Ah putain, c'est trop dur. File-moi un oiseau, file-moi un oiseau, un oiseau. Bon, tant pis, on va le finir à la régulière. Au moins, on se sera entraîné. God damn it, god damn it. Quel boss de merde. Eh ben, c'était pas simple, hein. Yeah!
Ah ouais, il le fait à ce moment-là, le mec, c'est un ouf. Okay, we're still in there. I'm probably losing like over 10 seconds in this kingdom though. But we're still in there. I messed up Birdless at the beginning once. Donc là on fonce sur la lune. Ok, on continue comme ça, on continue. Là je suppose que voilà, on évite ça. Évidemment il y a la gravité lunaire. Hein. On continue, ok, on prend ça pour accélérer. Le big jump. Et après ça, ça va être compliqué, il va falloir s'entraîner. Le moon skip. Ok, donc rodéo. Into casquette. Saut. Into ça. Into. What the fuck? C'est sérieux? C'est sérieusement ça qu'on va faire? Non, on a fini le jeu, hein, les enfants. On a quasiment fini là. Ce monde-là, il va aller très très vite. Ok. C'est attendu après avoir lancé les casquettes. Faut que j'attende de retomber un peu parce que sinon je rebondirai pas dessus. Ah dommage. Que je re-regarde. Ok, c'est, j'ai pas collé le bon mur après. Putain, merde. Mais sérieux? Thank you.
pas que le chapeau il glisse comme ça. C'est vrai que c'est pas simple à gérer cette gravité là. Pourquoi je bonk? Accrocher le mur. J'ai pas accroché le bon mur. Ah, attends. Chaque fois je me gourre, je me précipite trop sur le deuxième show après la casquette. On va analyser ça ensemble. Alors, oui. Ah, il dive même pas en fait. Ah oui, y a pas besoin de diver en fait, vu qu'il y a la gravité lunaire, je suis con. C'est pour ça que je galère. Je pense que le problème vient de là. Ah putain, j'arrive pas à accrocher de mur. Caméra comme ça, je vois pas quand est-ce que l'amplitude de mon saut est la bonne. Ça, c'est de la merde. Trop proche. Putain, c'est chaud, hein. Sans faire le dive, c'est un peu chaud. Pourquoi j'arrive pas à accrocher ce mur de merde, sérieux? Ouf. J'ai réussi. Nice.
Pourquoi ça saute un peu la capture? Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Le Bowser fight. J'ai failli louper. Bâtard! Non, genre. Et voilà, dégage. Je connais la fin pour le... Je connais le... Comment on fait pour la fin. J'ai foiré le triple saut comme un connard, parce que j'ai fait un saut de trop avant. Qu'est-ce que je branle?
finish. On a appris toute la run. Bordel. Ouais, on a fini le jeu. Ouais. Formidable. Allez, je laisse la cinématique. Vous allez voir à quel point Peach est une connasse. Le coq bloc. J'aime beaucoup la réaction derrière, attention. Merci de m'avoir sauvé, je me casse avec le seul vaisseau disponible de la lune, comme ça vous allez rester ici bloqués comme des coteaux. Des bisous les mecs. Bande de pigeons. Oh, ce Bowser qui s'est fait coq-bloc de l'absolu. Tellement propre. On a appris toute la putain de run. Enfin. Voilà. C'est quoi déjà mes touches? Bah alors. Il est caché là le truc. Attends, what? Ah ok, il est en dessous. Putain, il est tout en dessous. Bah, what the fuck? Hein? Mais non, mais... Reviens là, bâtard! Bon, c'est pas grave. Je le ferai en neuf, les settings de ce truc. Bon bah voilà, on a appris toute la run. Bravo, le veau. Maintenant va falloir la faire d'une traite. Sans les backups. J'ai presque envie de le faire maintenant, je dirais, ouais, mais ce n'est pas raisonnable, puisqu'il est déjà minuit 14 du matin. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Voilà. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. On a fini l'apprentissage. Et ça, c'est beau. Du coup, je vais hop, repasser sur l'écran PC. On n'en a pas besoin. Oui, tout est si calme, c'est beau. Ma bite. Alors, tac. Du coup, lui, il peut revenir. Là, on a dit settings. Alors, pause et entrée. Reset, c'est 3. Donc, si je fais même pas 3, endo split, skip split, ok. Donc, on a dit 3. Oui, oui, oui. On update. Voilà. Très bien. Maintenant, ce qu'on fait, c'est edit split. Parce qu'il y a des splits qui sont daubés, genre celui-là, il est daubé. Donc voilà. Du coup, de ce fait, celui-là n'est pas daubé, ça va. La forêt, c'est bon normalement.
Voilà, celui-là il est daubé. En fait voilà, à partir d'ici il faut que je supprime tout. Tac, 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 tac. Ok, maintenant, insert below, insert below, parce que j'ai deux trucs qui me manquent. Alors, move down. Attends, move down. En fait, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Move down, 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 move down. Move down, move down, move down, move down. Alors, du coup, ça fait. Le chapelier, c'est bon. Kyrex, après. C'est ok, c'est Spooky Scary Skeleton. Ah, mais non, celui-là aussi, il est daubé, ce temps-là. Spooky Scary Skeleton, c'est bon. Après, c'est le poisson. Après, c'est la forêt. Après la forêt, c'est le Bowser Fight. Donc. Comment on va l'appeler, le Bowser Fight? On va l'appeler. Eye of Tiger, parce que c'est de la boxe. Eye of the Tiger. Et ensuite c'est Toxil Palmier. Non. Vautour de l'angoisse. Et on est bon. Donc après, on a le saut de la foi, donc c'est New Donk City, après Poulpinator, après Glace de Merde, après Bouillon Cube, qu'on avait décidé de renommer, non? Non, Bowser de, c'est Bowser japonais qu'on a décidé de renommer. Bowser est-il japonais? Non, on va renommer ça Mekalakon. Mekalakon, voilà. Et là on est bon, là on a tous les splits qu'on devait avoir. Donc là c'est bien. Ok. Bon bah voilà, comme ça c'est setup. On est bon. Du coup, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce stream. C'était extrêmement agréable, même si bon bah on a ragé, hein, mais logique. L'apprentissage est parfois complexe, n'est-ce pas? Très complexe. Donc bah du coup demain on va pouvoir commencer les premières runs, qui seront dégueulasses. Et puis voilà. Et puis voilà. Du coup, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain soir. Rendez-vous 21h pour le début du speedrun. Et puis, merci encore une fois à tous de m'avoir suivi. Ça fait extrêmement plaisir. Ciao, ciao tout le monde. À demain soir pour l'angoisse absolue.